Je m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est jamais un homme pour mentir. Moi,
Dieu vous bénisse, Jésus-Christ il est Seigneur. Si tu as un problème pour croire que Jésus est Seigneur, demande à Dieu, Dieu t'aidera à croire que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il est bon. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. OK? Est-ce qu'il y a des situations? Est-ce qu'il y a des morts brusques qu'on pouvait éviter? Moi, j'ai posé cette question-là à Dieu. Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des situations qu'on pouvait éviter, comme la mort, des choses, les morts brusques des gens? Et l'Esprit de Dieu m'a répondu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie parmi vous? OK? Parmi vous, est-ce qu'il existe des gens qui prient? Donc, ça veut dire que moi aussi, je suis dedans. OK? Moi, je suis dedans aussi. On ne prie pas assez. Il y a des situations, il y a des maladies, il y a des choses. Tout est possible à Dieu. Est-ce qu'il y a des morts brusques? Est-ce qu'il y a des tragiques que on pouvait éviter? Bien sûr que oui. Si on priait normalement, la prière que Dieu demande, si il y avait des gens qui prient, la parole dit que Jésus a prié toute la nuit. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça encore? Toute la nuit, moi je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais prié toute la nuit. En tout cas, faut pas, on va se mentir. Il y a les gens qui font les veillées de prière. OK? Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc, oui, il y a des morts. Il y a des tragiques. Il y a des choses que on pouvait éviter si on priait. Que Dieu vous bénisse. OK? Donc, souvent on peut dire c'est son jour qui est arrivé. C'est son jour qui est arrivé. Si ça doit arriver, ça c'est pour récompenser, c'est pour conforter les autres. Pas récompenser. C'est pour conforter, c'est le confort qu'on donne aux autres en leur disant, ben, ça devait arriver, c'est pour cela que c'est arrivé. OK? Mais lorsqu'on va en profondeur, ce n'est pas mon message aujourd'hui, hein, je vais parler de... Aujourd'hui, mon message, c'est la distraction. Mais je vais parler un peu de ça. Il y a des choses qu'on peut éviter lorsqu'on prie. OK? Si une personne est raciste, si vous voyez un raciste, moi je dis, ceux qui m'ont écouté, ceux qui ont vraiment, peut-être, ceux qui ont écouté ma vidéo plus de 3 ans, 4 ans, j'avais fait une vidéo, même ça est là, j'ai dit l'esprit raciste, c'est l'esprit du diable, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Le diable, il n'aime pas. La parole dit que le diable, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il est sur la terre, il était furieux. Lorsqu'il s'est rendu, ça veut dire que avant de le jeter, là, peut-être on l'a fait endormir. OK? Parce que Dieu, il est puissant. Les anges, là, ils ont fait quelque chose, leur bagarre, il y a eu quelque chose et puis peut-être... OK? Donc, lorsqu'il s'est rendu compte, ça veut dire qu'il ne savait pas que... Il ne savait pas que ce qu'ils ont fait là, c'est pour le descendre. OK? C'est pour l'emmener sur la terre. Lorsque Satan s'est rendu compte qu'il était sur la terre, il était furieux. OK? Donc, il est prêt à tout.
il est prêt à tout. Ce que Dieu nous demande, c'est la prière. En tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Prière en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. C'est ce que Dieu nous demande, la prière. Donc, lorsque je viens juste de prier, je dis, est-ce qu'il y a des morts qu'on peut éviter? Et l'Esprit de Dieu m'a c'est comme si il a mis ça. Parmi vous, il y a combien de personnes qui prient? Parmi vous, je fais partie aussi, on ne prie pas assez. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui est furieux, quelqu'un qui est raciste, commence à prier. Commence à prier, tout ce qui sort de sa bouche là, il ne faut pas lui répondre. Commence à prier. Avant de sortir de la maison, prière. Tu es dehors, tu pries. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Tu peux être arrêté comme ça, tes yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts, ok? Et puis tu es en train de prier. Tu peux être calme. Tu pries dans ton cœur. Tu pries. Souvent, je le fais. OK? Lorsqu'il y a une situation, on est souvent avec nos téléphones comme ça, en train de filmer. Comme ça. On oublie la prière. On veut seulement le mettre sur Facebook. C'est une distraction. Donc, je vais parler de la distraction tout à l'heure. Donc, j'encourage vraiment, reprenons notre vie de prière. Prions en tant que chrétiens, chrétiennes. Reprenons notre vie de prière. Quittons dans la politique. Laissons la politique aux politiciens. Prions. Prions. Prions, hein? Prions parce que nous sommes là pour prier pour ceux qui ne prient pas. Pour ceux qui ne prient pas. OK? Il faut avoir une vie de prière. Il y a des gens, ils sortent le matin. Nous autres, on était comme ça avant. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous devons prendre la place des autres qui étaient comme nous avant. Avant, je sors, je sors en prière. Donc, nous devons avoir une vie de prière. Il y a des choses, bien sûr, qu'on pouvait éviter, comme la mort. Des choses comme ça, si on prie. C'est ce que Dieu dit. Il y a des choses qui pouvaient être évitées, ok? Qu'on peut éviter si on priait. Donc, il faut qu'on puisse reprendre notre vie de prière. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. J'avais vu une vidéo, je pense que c'est en Côte d'Ivoire, vraiment. J'avais vu une vidéo où tout le monde avait le téléphone comme ça. Sur quelqu'un qui est... C'est une femme. Je pense que c'est une femme. Il faisait ses yeux comme ça. Comme si c'était une sorcière. Tout le monde a le téléphone comme ça. Sur elle. Vous pouvez voir le sorcier. Le sorcier, c'est Satan. Cette femme-là est malade mentalement. Même les sages-femmes, elles avaient... C'est pas mon message aujourd'hui. Mais je vais... Vous voyez? Au lieu de prendre le temps pour prier pour la femme, il y a un qui elle aussi, elle jetait des choses. Il y a un qui a commencé, vous voyez. Il y a un qui a commencé, c'est dans le désordre, c'est dans la distraction là que Satan frappe bien. Il y avait un jeune là qui a pris quelque chose, qui est en train de la taper. Pendant qu'elle faisait la folie se manifestait en elle. Et d'autres, ils avaient le téléphone comme ça sur elle, pour mettre ça sur le Facebook. Vous allez avoir quoi dedans? Rien. L'argent de Facebook, ça va vous donner quoi? C'est dans des choses comme ça là que Satan tue. Des distractions. OK? Donc, on sait qu'on n'est pas chez nous. Même chez nous-mêmes, on tue là-bas aussi. Ce n'est pas seulement chez les Blancs. Chez nous, même en Afrique, les gens tuent. Ton propre frère noir te tue. C'est pas... OK? C'est pas seulement en Occident. Partout, il y a des meurtres.
et ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Partout, il y a des meurtres. Ça ne va nulle part. Ça reste comme ça, dans le noir. Personne n'en parle. Personne ne discute. Personne ne condamne. Ça reste comme ça. On ne dit rien. OK? Cette femme, que les gens prétendent qu'elle est une sorcière qui faisait des yeux comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé après. On ne nous montre même pas la suite. OK? Je ne sais pas. Quelqu'un qui est dérangé dans sa tête va se comporter comme ça. Partout, le diable, on ne peut pas voir le diable. On ne peut pas attraper Satan. Vous avez attrapé une personne, un être humain, créé à l'image de Dieu. Et la personne qui touche à cette personne-là aura des problèmes, aura des comptes à rendre à Dieu. OK? Donc, lorsque tu es sur place, tu es en train de voir des choses comme ça, tu dois donner ton secours à cette personne. Les sages-femmes qui sont arrêtées, il n'y a pas de piqûre quelque part pour calmer cette femme-là. Il n'y a pas d'aide. Tout le monde est là avec le téléphone, comme ça, en train de fumer. Parce que c'est, comme c'est une sorcière, elle doit être rejetée. Elle doit, vous voyez. Donc, bref. Donc, dans ton propre pays même, tu n'es pas en sécurité. Chez toi-même. C'est pas chez les autres que tu peux être en sécurité. Donc, la parole dit prière en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Donc, avant de sortir de ta maison, prière. Tu es dehors, tu pries. Il y a des situations où tout le monde est en train de filmer là. Il faut t'écarter. Il faut t'écarter. C'est bien d'avoir les preuves. Il n'y a pas de problème, mais prie d'abord. Prie d'abord. Parce que c'est dans la distraction que Satan il agit. C'est dans la distraction que Satan il tue. Il mélange tout le monde où tout le monde est occupé. Vous avez vu, je donne un peu l'image de cette femme-là. Cette femme à l'hôpital qu'on la traite de folle. Lorsqu'elle a lancé quelque chose, tout le monde était là. Oh, sorcière. Il y a un jeune qui a pris, je ne sais pas si c'est bois qui était sur elle comme ça. Bon, vous n'avez pas vu cette partie-là. Personne n'a vu ça. Qui était en train de la frapper. Qui est en train de, vous voyez. Donc, dans la distraction, Satan, il tape. C'est pas le jeune qui est Satan, hein? Non. C'est pas le jeune qui est... C'est la colère. C'est la colère. Il pense que c'est une sorcière. Donc, Satan va l'utiliser pour tuer cette femme. OK? Bref, c'est pas ce sujet aujourd'hui. Donc, je vais rentrer dans mon message. OK? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Si tu crois pas, cette page-là n'est pas pour toi. Tu peux aller ailleurs. C'est pas obligé de m'écouter. Si tu ne crois pas que Jésus est Seigneur, ben, continue ton chemin. Tu n'as pas besoin de t'arrêter ici. OK? Donc, je vais parler de la distraction. Comment faire pour ne pas être distrait? Comment faire pour ne pas être distrait? En tant que enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui est en train d'avancer, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut aller de gloire en gloire, comment faire pour ne pas être distrait? La distraction est beaucoup sur le Facebook, beaucoup. OK? Comment faire pour ne pas être distrait en tant qu'enfant de Dieu? Parce que je dis toujours aux gens ici, il faut être connecté à Dieu, il faut être dans la présence de Dieu, et pour rester dans la présence de Dieu, il faut prier. Et retrouve les pasteurs que tu crois en eux, les gens mandatés par Dieu, les élus de Dieu que tu as retrouvé le Saint-Esprit en eux, s'ils sont 10, 5, si tu les as retrouvés, essaie d'écouter leur message.
parce que leurs messages vont, les messages vont t'aider à aller de gloire en gloire. Ok? Les gens qui ne sont pas mandatés par Dieu, il y en a plein sur les réseaux. Eux, ils vont t'amener ailleurs. Ils vont te faire déraper. Ok? Tu vas aller ailleurs, ils vont t'emmener ailleurs. Ça se fait avec tout le monde. Ok? Moi, si je ne fais pas attention, je peux aller ailleurs. Ok? Donc, il faut retrouver les pasteurs. Moi, j'ai, je ne sais pas combien, peut-être 5, 6. J'ai retrouvé ces pasteurs-là que je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui les inspire. Donc, lorsque j'ai fini de faire mes vidéos, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants. Souvent, lorsque actuellement les enfants sont à la maison, ils sont en vacances. Sans quoi, lorsque les enfants sont à l'école, j'écoute les messages qui sont inspirés de Dieu. Les élus de Dieu, ceux qui sont mandatés par Dieu, c'est eux que j'écoute. C'est eux que j'écoute. Et leur message, ça va t'aider. Tu vas avancer de gloire en gloire. Ceux qui ne sont pas mandatés par Dieu, qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, si tu les suis, tu vas foncer, tu vas descendre. Tu ne vas pas avancer, tu vas te perdre. Ok? Tu vas déraper. Ok? Tu vas être ailleurs. Donc, je vais encore parler de la prière. Pour que tu t'en sors, il faut beaucoup prier. Ok? Et la parole de Dieu dit... La parole de Dieu dit ici... Il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. On le parle ici dans Galates. Dans Galates... Dans Galates 5, verset 18. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On doit laisser l'Esprit, c'est lui qui connaît le chemin. Ok, que l'Esprit de Dieu m'aide. Ok, je voulais parler un peu de la dispense. Je vais parler. Bon, ça va. Je vais parler un peu d'une histoire, d'un rêve que j'ai fait. Je ne sais pas, ça fait combien de jours. Je ne sais même pas. Souvent, je note. Mais je ne sais pas, c'est 2 ans passés, c'est 1 année passée, je ne me rappelle plus de la date. Mais j'ai déjà parlé du rêve là ici, une fois. Je pense dans 2 vidéos, j'ai déjà partagé le rêve que j'ai fait. Ok? Souvent, c'est une façon pour Dieu de me montrer des choses. Ok? Lorsque j'ai fait le rêve, je ne savais pas que j'allais vivre ça. Après le rêve, j'ai partagé le rêve et je ne savais pas que ça allait continuer, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est au fait le rêve là que je suis en train de vivre. Donc, ok, c'est au fait ça que je suis en train de vivre. Mais je dois faire attention. Le rêve, c'était comme une course. C'était comme la course qu'on doit faire. Mais avant, lorsque j'ai commencé à rêver, j'ai commencé à bavarder avec quelqu'un. Je parlais, je ne voyais pas le visage, c'est un rêve. Donc je ne voyais pas le visage, mais je bavardais avec quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un. C'est une forme de distraction. Je parlais avec quelqu'un, bavardais. Et après, j'ai vu les gens. Et les gens, je les ai vus et après, ils sont partis. Donc, lorsque j'ai fini de bavarder et j'ai demandé, je voulais suivre les gens. Ok, je voulais suivre ces gens-là.
Lorsque j'ai fini de bavarder, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, mais où est tout le monde? Où ils sont partis? Et j'ai commencé à les chercher, j'ai commencé à les suivre. OK? Donc, pour bien l'expliquer, c'est comme une course que nous devons faire, la course. OK? Donc, lorsqu'on fait la course, on a un coach. On a quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui nous dit quoi faire. Donc, moi, je n'étais pas dans le groupe. J'étais en train de parler ici. Lorsque j'ai fini de parler, je voulais vous... Vous voyez, c'est comme c'est le rêve là, c'est un peu bizarre quoi. Je voulais aller avec les gens là, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, je ne les retrouvais nulle part. Ils sont déjà partis. Et j'ai commencé à les chercher, j'ai commencé à les suivre. Et j'ai commencé à les chercher, après je les ai vus très loin de moi. Très, très loin de moi. Et j'ai continué mon chemin, Et après, je les voyais, mais je ne savais pas comment faire pour aller là où ils sont. C'est là que j'ai demandé. Quand j'ai demandé, quelqu'un m'a parlé, ok? C'est comme quelqu'un m'a... Je ne voyais pas la personne, mais quelqu'un m'a parlé. C'est comme le Saint-Esprit, c'est comme Dieu, quelqu'un m'a parlé. Il faut aller ici et puis c'est comme ça, vous voyez? Donc, j'ai commencé à suivre la voie de la personne, ok? Pour vous dire que, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, pour vous dire que, on se perd souvent lorsqu'on est en train de bavarder. Vous voyez, lorsqu'on ne suit pas la voie de Dieu. Lorsqu'on est en train de, vous voyez, sur les nets, souvent les gens font des clashs. Ça, c'est pour nous perdre le temps, des clashs. Quelqu'un est en train d'insulter là. Moi-même, je suis dedans. Souvent, je suis là-bas. Des rires, on est là, c'est pour nous perdre le temps. Ce sont des pièges du diable. Ok? Donc, c'est une façon de vous montrer comment on peut perdre le temps, comment on peut être distrait. Donc, quelqu'un est en train de faire clash. Ou bien, il y a eu un problème. Nous tous, on est paniqués. Ok? Ça se passe sur les réseaux. C'est une façon que Satan utilise pour nous mettre en retard. OK? Bref, je continue le rêve. Donc, j'ai commencé à écouter maintenant la voix et j'ai commencé à aller et je les ai dépassés. Ceux qui étaient avancés, ceux qui m'ont dépassé, ceux qui étaient très loin de moi, je me suis retrouvée dans un endroit et lorsque j'ai regardé derrière moi, ils étaient très loin. C'est eux qui venaient, ils étaient très loin de moi. C'est eux qui me suivaient maintenant. OK? Lorsque j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, vous avez compris? Lorsque j'ai commencé à suivre la voie de Dieu, j'ai dépassé tous ceux qui étaient devant, tous ceux qui étaient avancés dans la gloire. Lorsque j'ai commencé, c'est comme ça, ok? C'est comme ça que Dieu m'a aidé à comprendre le rêve. J'ai commencé à aller, tous ceux qui ont avancé, tous ceux qui m'ont dépassé dans la gloire, qui étaient en haut. Lorsque j'ai commencé à écouter l'Esprit de Dieu, lorsque j'ai commencé à écouter mon coach, lorsque je n'étais plus distrait, lorsque je n'étais plus dans les bavardages inutiles, on est là, on perd le temps en train de bavarder, en train de discuter avec... Je bavardais, c'est quelque chose qui m'a montré quoi. C'est quelque chose qui m'a montré dans le rêve. Voici ce qui est en train de se passer dans ta vie. C'est comme ça que Dieu m'a montré, mais le moment que j'ai fait le rêve, je pensais que c'était en ce moment. Mais actuellement, c'est là que c'est en train de se passer. C'est en train de se passer dans ma vie actuellement.
C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que je dois faire attention et je dois éviter de perdre mon temps de cette façon. Ok, je vais partager, je vais parler de ça. J'ai fait une vidéo, j'ai fait deux vidéos. Il y a des distractions de l'ennemi. C'est pour nous perdre le temps. Quelqu'un se lève, il est en train d'insulter maman de quelqu'un, tout le monde est là-bas. C'est pour nous distraire. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Lui qui insulte, lui qui est en train de faire clash là, dans sa tête, il veut avoir l'argent de Facebook. C'est tout. Et nous autres, on est derrière lui en train d'écouter ces bavardages là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention et prier. Prier. Lorsque on est dans ces situations en train d'écouter, parce que souvent c'est drôle. Et c'est dans ça là que l'ennemi nous gagne. Souvent les paroles, c'est drôle. Les paroles, ça fait rire. Mais c'est dans les rires là, Satan nous tient. Ok? C'est drôle. Hier, j'étais là, je riais seulement, mais en disant « Pardonne-moi, Seigneur. » J'ai ri, mais je dis pardon. Ok? Donc, c'est ce qu'on peut faire. En tant qu'être humain, tu tombes sur une vidéo qui est vraiment... C'est méchant, mais c'est en même temps drôle. Et on plonge dans ça, on est en train de rire. On est en train de rire, mais en riant, c'est tout ce qu'on peut faire en tant qu'être humain, on demande, il faut toujours demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est ce que je faisais. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et là, Dieu peut t'aider. Parce que tu es tombé dedans aussi à cause des choses drôles qui sont dans la vidéo. Ok? Donc, bref. Une autre histoire, vous avez déjà compris le rêve. Le rêve, c'est une façon que Dieu me montre tes bavardages inutiles. Tes rires, les bavardages, tu es en train de perdre ton temps. Il y a des vidéos qu'il ne faut pas regarder. Il y a des vidéos, il y a des gens qui sont là, ils parlent bien, c'est vrai. Ils montrent des choses, c'est vrai. Mais il faut plutôt chercher les gens qui sont mandatés par Dieu lui-même. Les gens qui sont inspirés de Dieu. Il y a des gens que je connais qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est eux que je dois écouter. Mais souvent, je vais écouter d'autres personnes. Donc, je dois faire attention à ça. Donc, les gens que vous avez retrouvés qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, qui vous aident, qui vous ont déjà aidé, leurs paroles, lorsque...